Salut à toutes et à tous, c'est Melkaïté qu'on se retrouve aujourd'hui pour la review des Rocat Aluma. Donc les Rocat Aluma sont les tout derniers écouteurs intra-auriculaires de la célèbre marque de gaming Rocat. Donc ce sont des écouteurs qui sont de base faits pour le gaming mais que personnellement j'utilise tous les jours pour un usage lambda. En fait je les utilise pour écouter de la musique. Donc ils sont très design et vous allez voir que le packaging est très propre, on est vraiment habitué à cela chez Rocat. Personnellement, je trouve ces écouteurs largement mieux que les écouteurs de base Apple. Donc je les utilise avec mon iPhone 6S Plus, ces écouteurs, et vraiment, la qualité audio est vraiment très bonne. On se rapproche, on n'est pas au niveau de Bose, mais on s'y approche. Pour des écouteurs d'une cinquantaine d'euros, c'est déjà vraiment pas mal. Parce que ce sont des écouteurs qui sont vraiment très agréables, qui tiennent vraiment bien dans l'oreille et qui sont fournis avec plein d'accessoires ainsi qu'une petite pochette. Donc je vous parlais de la qualité. La qualité est très très bonne. Il n'y a aucun problème depuis que je les ai, depuis maintenant presque 2 mois. Le câble est un câble plat. Donc l'avantage c'est que il n'y a vraiment quasiment jamais de nœud. Je les mets tout le temps dans ma poche sans faire attention, je les sors. Je n'ai jamais aucun nœud. Donc pour résumer, je recommande vraiment ces écouteurs. Je les ai essayés aussi durant le gaming. Ce sont des écouteurs qui peuvent bien évidemment remplacer un casque gaming sans souci. Je les ai essayés sur différents jeux tels que Call of Duty ou GTA ou encore des autres jeux. Et vraiment, il n'y a aucun problème. Je les recommande pour un usage gaming et pour un usage lambda. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je m'excuse de ma voix qui est peut-être pas comme d'habitude parce que je suis enrhumé, j'ai essayé de vous faire pas mal de vidéos pendant ces vacances, sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, sur ce, ciao.